Voici la fusée lancée dimanche par la Corée du Nord. Ces images diffusées par la télévision nationale nord-coréenne montrent le lancement de l'appareil, ici exposé avant le tir. Un engin qui, selon les experts, paraît plus puissant que les précédents. De quoi donner le sourire au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Un sentiment loin d'être partagé par la communauté internationale, encore moins par son voisin sud-coréen. Ce jeudi, quelques dizaines de personnes ont d'ailleurs manifesté à Séoul pour protester contre l'attitude de Pyongyang. Notre peuple et la communauté internationale condamnent fermement le lancement de missiles à longue portée, le quatrième essai nucléaire de Kim Jong-un. Nous appelons à des sanctions sévères, y compris le retrait du complexe industriel de Kaesong, la coupure de l'électricité et de l'eau, ainsi qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce nouveau lancement de fusée accentue la tension entre les deux Corées, car à l'instar de la communauté internationale, Séoul estime qu'il s'agit d'un missile balistique et non d'un satellite comme l'a indiqué son voisin du Nord, d'où la colère de ses manifestants.